Voici quelques images d'escargots que nous propose Marcel Gbetoro avant de les retrouver, elle et son invité, pour parler de l'élevage d'escargots. Comment obtenir un meilleur rendement? La réponse juste après toutes ces images. Voilà de très belles images. Hein. Tout ça, c'est ce qu'on a eu naturellement dans nos herbes et tout. Mais comment on procède à leur élevage, surtout pour un meilleur rendement? On va parler de ça ici avec Marcel Gbetoro. Ça fait un mois déjà que je ne vous ai pas eu sur ce grand rendez-vous. Comment allez-vous? Je vais bien heureuse d'annoncer. Bien revenue. En tout cas, à la pleine forme chez moi. De l'autre côté de Boycon. De Lokossa. De Lokossa, précisément. Tout s'est bien passé. Elle était sur d'autres fronts. Hein. Toujours pour l'RTV. Je pense que la population de Lokossa nous a bien accueillis. Nous sommes de retour en pleine forme. En pleine forme, avec un ventre un peu plus poussé. Ah, j'étais sûre. Non, elle a mangé tout ce qu'elle voulait, quoi. J'ai laissé un peu pour heureuse d'annoncer. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et vous êtes avec José Migan, spécialiste en sciences et techniques de production animale. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Merci. On parle d'escargot sans en avoir sur le plateau, mais en image. Ah oui, en image, beaucoup en image d'ailleurs. Oui. On parle d'escargot, comme l'a dit Heureuse. José Migan, bonsoir. Bonsoir, Michel Gbetoro, il y a trois jours. De plus. Merci d'être encore là. Elle a eu le temps de manquer aux téléspectateurs, en tout cas, on le constate. Ah oui. Alors, nous allons parler de l'escargot. Mais déjà, dans mes recherches, j'ai cru comprendre que c'est un nom vernaculaire, escargot. Oui, l'escargot, c'est un nom un peu ordinaire, c'est pas scientifique. En réalité, on parle de nom scientifique des escargots. Il y a trois grandes familles d'escargots, trois grands types d'escargots. Géants, il y a toute une variété, hein, mais en réalité, ce qui concerne le levage des escargots, il y a trois grands types. Il y a le grand escargot géant, que nous dénommons Achachatina. Achachatina. Je vais vous aider, ne prononcez pas tout simplement. Achachatina marginata. Marginata, qui est le plus gros des escargots? Oui, qui n'est pas très prolifique. Après ça, nous avons Achatina. Oui, une gamme moyenne, bien prolifique, qui se développe très bien et une bonne croissance. Et après aussi, le plus prolifique de l'eau, c'est Achatina fulicina. Achatina fulicina. C'est ce qu'on a, c'est ça? Achatina fulicina. Ah oui, je pense que c'est ça que vous avez là. D'accord. C'est vraiment prolifique et c'est pas aussi gros que les autres, mais. C'est ça qu'on retrouve quand il pleut? Quand il pleut le plus souvent, qui pullule des coins, qui sont un peu nuisibles pour les cultures ordinairement. Nuisibles pour les cultures. Oui, parce qu'il peut plutôt les espaces de culture. Ah, c'est de la bonne comme c'est comme c'est de grands herbivores, les escargots, ils s'attaquent aux plantes et puis voilà. Je vois. Ils sont difficiles à éradiquer dans ces cas de figure. Mais déjà, on va parler de comment ou bien de quelle technique mettre en place pour élever l'escargot. Parce que c'est vrai qu'on retrouve l'escargot un peu partout, sur les murs, dans les jars, dans les herbes. Mais concrètement, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage des escargots, quelles sont les dispositions à prendre? Oui, pour élever les escargots, il faut avoir une escargotière. Quand on parle d'escargotière, c'est
une infrastructure à mettre en place qui puisse les garder pour qu'ils ne s'échappent pas, pour qu'ils ne rentrent pas dans la nature, pour que tu puisses péter les escargots que tu élèves. Parce que c'est vrai, ils vont très lentement, mais ils vont loin aussi. Okay. Ils rampent lentement, mais là, c'est clair, tu risques de les perdre tous. Ils vont aller chercher là où se cacher, des trucs comme ça. Bon. Pour élever, en bref, l'escargot, il faut créer les conditions. Une escargotière dans un milieu où il faut défricher à l'ombre du soleil, proche d'un point d'eau, là où il y a de l'eau. Maintenant, c'est lorsqu'on veut les élever un peu en vrac, en grand espace. Maintenant, dans une escargotière, c'est peut-être une boîte en bois où on crée l'écosystème, c'est-à-dire le biotope naturel. On met un peu de sable dedans, on essaie de faire maintenir l'humidité en y apportant de l'eau chaque fois. Et puis, bon, ça y est, tu remplis ces conditions-là, tout en respectant les normes d'hygiène. Il faut aussi ajouter les normes d'hygiène. Oui, les normes d'hygiène, parce que en tout élevage d'espèces animales, il faut respecter les déjà, l'escargot qu'on élève, il provient d'où, hein? L'escargot, il provient d'où? Il faut aussi qu'on nous rappelle aux téléspectateurs que c'est ce qu'on appelle l'escargot, là, c'est aiguille, hein, ce qu'on nous appelle aiguille en fond, et à bobo pour les minins. Maintenant, pour les autres langues, je pense que heureux aussi. Oui, l'escargot, c'est un gastéropode. À coquille, maintenant la grande famille des colimaçons, il faut, pour l'élever, je le dis, créer les conditions proches de sa biotope naturelle. C'est important. Maintenant, l'escargot, en réalité, est exigeante dans son alimentation. Avant de venir là, ça vient d'où, ce qui se reproduit là? Ça l'intéresse beaucoup, la provenance de l'escargot. Non, mais lorsque vous voulez élever de l'escargot, d'abord, il faut d'abord éviter d'aller l'acheter. Est-ce des œufs ou bien c'est quoi? Non, mais pour élever l'escargot, il suffit de le ramasser dans la nature, dans son biotope naturel, et de lui créer les conditions d'élevage qui est proche de son milieu naturel. Okay. Humidité, ombre, bonne alimentation. On dit c'est un grand herbivore. Mais il y a des fois accidentellement qui devient un peu carnivore, etc. Depuis des insectes qui grignotent, des trucs comme ça, accidentellement, je dis. Sinon, c'est un grand herbivore, on alimente avec la base des feuilles, des fruits, des sous-produits agroalimentaires. Ça se passe très bien, mais son alimentation est exigeante en calcium et en fer. Donc, pour ça, les coquilles d'huîtres, bien rendues en poudre, là, très fines. Les coquilles d'œufs qu'on consomme ordinairement, on les collecte. Pour les escargots. Pour les escargots, les faire sécher correctement, les écraser en fût, de les mélanger à ces sous-produits agroalimentaires là, pour pouvoir les alimenter comme cela se doit. Donc si je comprends bien, qui veut ne faire pas l'élevage d'escargots? Parce qu'il faut avoir le temps pour écraser les ça. Oui, non, mais ça se vend. Qui remplacent. Voilà. Comment ça se passe pour quelqu'un qui veut faire l'élevage d'escargots à grande échelle? Lorsque tu veux faire l'élevage d'escargots à grande échelle, tel que vous le dites, ça a des contraintes, des exigences. D'accord. Tu dois tout faire pour avoir de la disponibilité en produits riches en calcium, en fer. Parce que, au fait, l'escargot, c'est de la chair enveloppée par une coquille. La coquille, c'est fer, calcium, magnésium, sodium, tout ce mélange-là. Donc, l'alimentation des escargots est exigeante en cela. Et ça, pour ça en procurer, c'est pas... aussi au rendement. Au meilleur rendement de l'élevage, c'est important pour le rendement. Parce que, au fait, pour que l'escargot, sa coquille grandit sans cesse au fil du temps. Donc, il a besoin d'apport nutritionnel pour pouvoir croître. D'accord. Donc, c'est l'une des contraintes de l'élevage d'escargot, ça. L'apport. Et la compréhension. De quelle durée parlons-nous en matière de l'élevage de l'escargot? Pour la productivité de l'escargot. Oui, je viens de dire qu'il y a trois grands types d'escargot. Pour le plus géant, il atteint sa maturité sexuelle autour de 18 mois, 2 ans. 18 mois, 2 ans. 18 mois, 2 ans. 18 mois, 2 ans. Quand on commence? Quand on commence, pour qu'il puisse donner les premiers œufs, il faut au moins le plus géant. Ok. La chatina, maginata, a besoin. Je crois que c'est les œufs, ça, non? Oui. Oui, parce que pour pondre les œufs, il creuse dans la terre humide pour pouvoir déposer ses œufs. Donc là, il y a 2 ans. C'est ça qui est là. Oui, là, il a autour de 2 ans, je crois bien. Maintenant, pour le. La chatina, déjà à 5 mois et demi, 6 mois, elle est prête pour ses premiers œufs. Pour la chatina, maintenant, Fucina, il a besoin, pareil, et ils sont plus prolifiques. Ce que nous avons dans la nature, là. Dans la nature, là. Le gros, le vrai gros escargot, pond à peine une vingtaine d'œufs par période de ponte. La chatina, la périodicité, c'est combien de temps, combien de pontes par année?
Autour de... C'est un ancien, moi, ça fait deux. Non, quand il commence, là, il peut aller jusqu'à 8 fois l'année. Ah, d'accord. 8 pompes l'année. Ok. Hein, et le plus gros donne à peine une vingtaine d'œufs. Le moyen, 100 à 150, 200 œufs. Maintenant, les prolifiques, là, ils vont jusqu'à de 3, 5, 4 à 700 œufs. Oh là là, ça explique, hein, la prolifération. Parce qu'ils envahissent la nature. Elles pondent beaucoup, elles sont prolifiques, et puis voilà, elles se développent aussi très vite. Et d'accord. Tous ces œufs éclosent. Oui, voilà, c'est l'une des contraintes de l'élevage, ça. Pour pouvoir faire éclore ces œufs-là, il faut faire la cueillette des œufs, avoir un incubateur, c'est du sable qu'on met dans des bonnes conditions, avec humidité et tout, et on enfouit dedans. Et tu vas voir, ça va s'éclore. D'accord. Et chaque fois, après l'éclosion, ça donne de petits escargots, légèrement un peu plus gros que l'œuf que ça donne au début. Okay. Et voilà. Et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a une saison appropriée pour l'élevage de l'escargot? Oui, on va penser. Il y en a qui disent que la saison des pluies, c'est que naturellement, lorsque l'escargot est une espèce animale qui exige de l'humidité, qui aime de la fraîcheur. Donc, la saison des pluies est une saison pendant laquelle elles sortent beaucoup de leur nid, de leur cachot pour se promener, pour aller chercher de la nourriture. C'est la période où les bonnes feuilles abondent, ils ont toute une variété de verdure à manger, ils vont chercher les feuilles riches en calcium, tout ça, pour pouvoir avoir leur réserve en calcium, pour pouvoir traverser la saison sèche. Sinon, en élevage, il n'y a pas de période, parce qu'on leur crée les conditions tout le temps. L'humidité est permanente, on apporte tout le nutriment à la nutrition. C'est un élevage continu, il n'y a pas de souci. Pour élever, il n'y a pas de période. Tout au long de l'année, l'élevage des escargots est possible, il est faisable, praticable. Pour celui qui nous suit là, qui veut investir dans quelque chose, vous lui conseillez d'investir dans l'élevage des escargots? Bon, dit investir pour en tirer le maximum de prix, pour en faire ton gagne-pain, il faut le faire vraiment à grande échelle. D'accord. Pour tout amateur qui aime l'escargot, qui veut le faire, peut déjà démarrer avec une petite boîte, des boîtes, des caisses, sanilis, des trucs comme ça. Tu crées les conditions, il faut les conditions adéquates. Tu peux démarrer déjà un petit élevage par là. D'accord. Maintenant, lorsque tu as expérimenté et que tu as pris de l'engouement et ça te plaît vraiment, tu peux maintenant investir là-dedans. Parce qu'une escargotière peut être réalisée avec des briques en ciment. D'accord. On réalise correctement, on met le système de sécurité, tout un dispositif autour pour empêcher, parce qu'ils ont des prédateurs, ils ont des prédateurs aussi. Moi, je pense que investir, c'est bien. Investir, c'est déjà bien. Élever l'escargot, c'est bien. Mais comment rentabiliser son investissement aussi? Je pense qu'on va aborder ça, cette question-là, demain, toujours avec M. José Migan. Et il faut déjà dire aux téléspectateurs que produire de l'escargot, bien élever de l'escargot, tout simplement, nécessite des dispositions à prendre, surtout au niveau de l'hygiène, parce que c'est... Et de l'alimentation aussi. Oui, de l'alimentation. Je pense qu'on va partir de là demain pour aboutir à la commercialisation de l'escargot. Sa consommation, ses avantages, ses inconvénients. Et voir comment c'est développé au Bénin, pourquoi pas. Oui. Donc c'est tout. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, que je retrouve avec une grande joie. Merci, Marcel Guettoro. Merci également à vous, Monsieur Migan. Vous êtes spécialiste en sciences et techniques de production animale. Et ce sera tout pour Monde Agricole.